conseillers municipaux étrangers rendent par exemple obligatoire la présence de la nourriture halal dans les repas des cantines. Qui sont des traditions ancestrales qui ne correspondent plus à grand chose alors qu'elles correspondent à notre passé. Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des mâches. Du côté de Nantes. Au lieu de voir des Arabes. Dans les squares. Nous avons été colonisés par la France. Nous avons combattu pour la France. Oui. Nos grands-parents ont combattu pour la France. Oui. C'est normal qu'on vienne en France. C'est normal que vous veniez en France, mais pas à n'importe quelle condition. Le Sénégal, c'est votre pays. Bien sûr que c'est. Ah ben alors. Vous avez voulu l'indépendance, qui est normal. Bien sûr. Vous êtes indépendant, madame. Vous êtes indépendant. Mais ah ben, il dit qu'il va nettoyer la cité au Karcher pour la rendre propre. Oui. Et on sait très bien ce que ça veut dire, le mot Karcher. Vous voulez qu'ils disent quoi? Je vais prendre la pelle et la balayette et puis je vais nettoyer un petit peu? Non. On en fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y a beaucoup qui les prennent là. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer au Karcher. Nettoyer au Karcher. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, ça suffit d'opposer les Français les uns aux autres à cause de leur religion. Ça suffit. Foutez-nous la paix. Nous en avons par-dessus la tête de vos histoires. D'accord? Nous avons envie de vivre tranquille, vous entendez? Ça suffit d'opposer les Français les uns aux autres à cause de leur religion. Ça suffit. Foutez-nous la paix. Nous en avons par-dessus la tête de vos histoires. D'accord? Nous avons envie de vivre tranquille. Nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer. Nettoyer au Karcher. Nettoyer au Karcher. Ça va, quoi? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ah, la revanche. Ah, là. Elle mange, hein.